J'espère que le tombeau de cette momie n'est pas maudit. J'espère que le tombeau de cette momie n'est pas maudit. Maintenant, j'ai assez de briques pour assembler ce tyrannosaure. Oh, je pourrais utiliser cette super construction. Ces trucs sont fantastiques. J'ai trouvé tout plein de super briques. Hey, peut-être construire quelque chose dans le coin. Ouais, dans le mille. Ouais, je peux les utiliser pour construire un tyrannosaure. Ça, c'est un coup de chance. Ouga ! Hé hé, je viens de réinventer la roue. Ce diorama dépeint deux hommes des cavernes inventant le feu et la roue. Certains visiteurs, s'étant plaints d'inexactitude, nous avons dû enlever le troisième homme des cavernes qui était représenté en train d'inventer l'ordinateur portable. Phew!
Bravo, Chase. Quelle discrétion. J'ai sorti le tyrannosaure du musée. Est-ce que vous voulez que je le livre directement au client? Non, je ne veux voir personne à part moi. Envoie l'adresse que je veux. Ok, Vinny. Je sais pas ce que tu veux faire, gamin. Il y a ce gars qui me calme. Tu m'en diras tant. Ouais, il est super impatient. Il est toujours tout tranquille. Tout a bien changé. Avant, tu faisais des trucs pour faire des bénéfices. Mais là, ça semble différent. Comme si quelque chose de plus gros se tramait. Non, mais je me mets à raboter comme ma mère. Allez, dépose juste le T-Rex. Hey, Chase, t'es occupé? En quelque sorte. Super. Tu peux retrouver mon père bientôt? Ouais. Je suis sur un coup pour un type dont je suis sûr qu'il bosse pour Rex. Une fois trouvé Rex, je pense que je trouverai ton père. Tu penses vraiment que Rex retient mon père? C'est Rex, le cerveau. Il a sûrement quelque chose à voir avec la disparition de ton père. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de ton témoignage. Si c'était le cas, il t'aurait enlevé toi, non? Du moins, c'est ce que je ferais. Quoi? Je veux dire, si j'étais un méchant. Ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que Rex a à voir avec mon père? Je ne sais pas. Mais je t'appelle dès que j'en sais un peu plus. Merci, Chase. Le tyrannosaure est au point de rendez-vous, Vinny. C'est super! Plus qu'un petit boulot à faire, et je pourrais me faire payer et dire adieu à mon acheteur privé. Ce sale type. Vous allez le rencontrer? J'aimerais pas être à votre place, il a pas l'air cool. Ouais, y'en a qui sont pas comme nous, Chase. Ils n'ont vraiment aucune classe. Vous avez besoin de mon aide pour ce job? Je sais pas. L'autre chose qu'il veut est un bateau de pompier. J'ai des gars qui peuvent le piloter, mais... Quel est le problème? Les clés sont dans le coffre-fort du chef des pompiers. Les seuls qui peuvent s'en approcher sont les pompiers. Et celui qui se chargera de ce boulot devra le faire sous couverture. Tu penses que t'en serais capable? Oui. Oui, non. Enfin, disons que je n'ai jamais fait ça avant, c'est sûr, mais... Je pense que je peux le faire. Alors le job est à toi. Merci. Je te revaudrai ça. Une super nouvelle! Oh, salut Franck. Vas-y, dis-moi tout. J'ai reçu une promotion! Hein? Attends, de qui? Du shérif Huckleberry! Il m'a mis à la tête des affaires concernant les arbres! Oh!
Et il y a beaucoup de vols d'arbres ? Pas depuis que je m'en occupe. Et toi, tu fais quoi ? Oh, comme d'hab, la routine. Je vais faire le pompier sous couverture pour Vinny. T'es pas déjà sous couverture ? Tu vas avoir chaud avec toutes ces couvertures, non ? Waouh ! Je dois aller voler un des bateaux de la caserne de pompiers pour Vinny. Oh ? Et une fois que je l'aurai livré à Vinny, il va aller voir Rex. Et je le suivrai. Ok, Chase. Tant que tu ne voles pas d'arbres... T'inquiète, Franck. À plus. 5 sur 5. Terminé. Désolé, c'est pour la police. Une bonne réparation. Désolé, c'est pour la police. Ça va me causer des ennuis. Vous voulez rejoindre la brigade des pompiers ? Alors, recrue, c'est quoi ton nom ? Pete. Peterson, monsieur. Ok, Pete Peterson. Être pompier, c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe ! Pas vrai, McGurkey ? Quoi ?